Bon, petite devinette avant la pause, enfin devinette, petite histoire. Vous avez déjà entendu parler des éléphants roses? Non? Voir des éléphants roses quand on a bu. Ah, ben voilà, ça. Est-ce que ça existe, les éléphants roses? Il y a des scientifiques, figurez-vous, au 19e siècle, il y a des scientifiques qui sont allés en Afrique et qui ont vu des éléphants roses. Et ces éléphants, ils les voyaient dans une plaine, voilà, dans une prairie. Et puis, les éléphants rentraient dans la forêt. Les scientifiques suivaient les éléphants roses et n'arrivaient jamais à trouver les éléphants roses. Ils trouvaient des éléphants, mais ils étaient normaux, ils n'étaient pas roses. Ça a été découvert, mais des décennies plus tard, cette histoire des éléphants roses. Le mystère a été résolu. Comment ça se fait qu'on en voit et puis qu'on ne les trouve jamais après? En fait, les éléphants allaient dans la prairie, dans la plaine, pour se vautrer dans la boue de l'argile rose. Et en séchant, ils avaient vraiment un beau rose. Et forcément, ils ne le gardaient pas. Une fois qu'il pleuvait dans la forêt, on ne trouvait plus les éléphants roses. Ils n'existaient pas vraiment, sauf qu'ils existaient quand même. Et donc voilà, ça c'est une petite histoire à propos de la couleur. C'est surprenant aussi comme on peut se laisser prendre bêtement. Voilà, les éléphants se roulaient dans l'argile pour se protéger des insectes, mais il fallait faire le lien entre l'argile rose et les éléphants qui étaient couverts d'argile.